veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. Physique et sportive. Bonsoir Coralie, merci de nous accorder cette petite interview pour l'actu du SNEP pour la soirée de l'EPS qu'on a tournée juste avant que tu partes dans une réunion. Alors ma première question, on sort d'une journée de mobilisation qui a posé deux grandes questions, enfin, qui travaille sur deux grandes questions, à la fois la question salariale et la question des retraites. Alors pour commencer sur la question salariale, aujourd'hui on a un ministre qui ne cesse de dire que l'augmentation des salaires des enseignants est conditionné à une augmentation du nombre de tâches qu'on doit réaliser. Ma question est de te dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'il y a eu des rencontres à nouveau avec le ministre autour de cette question-là? Est-ce que vraiment, en France, les enseignants travaillent moins que les autres enseignants en Europe? Je crois qu'il y a plusieurs points. Le premier, toutes les études de l'OCDE montrent que les profs à temps de travail égal ont des salaires moindres en France, et y compris avec parfois quasiment 20% à un instant T, en fonction du nombre d'années dans la carrière, moins 20% par rapport à la moyenne de l'OCDE, à toutes choses égales. Ça, c'est la première chose. La deuxième, effectivement, les discussions sur les salaires ont repris, et on a une réunion cette semaine qui, en fait, nous amène vraiment dans une orientation qui confirme l'orientation, en tout cas, du ministre, de dire que ça va être du travailler plus pour gagner plus, en tout cas, pour que tout le monde puisse avoir une augmentation. Et le choix qui est fait, d'une part, il y a tromperie, parce que dans le programme du président, il y avait les 10% d'augmentation pour tous, et les 10% d'augmentation pour tous, en fait, c'est 10% d'augmentation en moyenne pour le plus grand nombre, et en prenant en plus l'augmentation de la valeur du point d'indice qui concerne tous les fonctionnaires qu'on a eu tous au mois de juillet, c'est déjà 3,5% sur les 10%. Et d'autre part, on sent bien qu'il y a une volonté, en tout cas, de lier les augmentations qui vont être de l'indemnitaire, et sans développer aujourd'hui, on voit bien que pour les cotisations de retraite, c'est de l'indiciaire qu'il faut et non pas de l'indemnitaire, puisqu'on ne cotise pas de la même façon. Et d'autre part, on va donc nous obliger, pour gagner plus, à prendre des missions supplémentaires, alors qu'aujourd'hui, il y a une étude de l'ADEP, donc organisme quand même de l'éducation nationale, qui dit que les enseignants travaillent en moyenne, enfin c'est plutôt une valeur médiane, à un temps de travail de 43 heures par semaine. D'accord, indemnitaire, indiciaire pour nos auditeurs? Alors, l'indiciaire, c'est ce que tout le monde touche au même échelon. C'est-à-dire qu'à un échelon donné, vous avez un nombre de points d'indice, et le nombre de points d'indice, il y a une valeur du point d'indice pour toute la fonction publique. Et donc ça, c'est la part socle, on va dire, que tout le monde touche. D'accord. Et un prof des écoles, un certifié, touche, ou un professeur de PS, si on est à l'échelon 7, avec la grille indiciaire, on touche tous la même chose. Après, ce sont des différences indemnitaires, ou avec les heures supplémentaires, et pour lesquelles vous ne cotisez pas de la même façon sur le régime des retraites. D'accord. Alors justement, sur le régime des retraites, tu faisais référence à la question de travailler plus par rapport au salaire. Se pose un peu aussi cette question-là du travailler plus longtemps. Bon, moi j'ai envie de te dire, et on l'entend sur beaucoup d'ondes radio, le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est de dire que le travail serait moins fatigant, que donc il faudrait travailler plus. Dans le monde de l'EPS, quand même, travailler prof de PS jusqu'à 64 ans, ça paraît compliqué. Alors, le sens de l'histoire, c'est vraiment travailler plus. C'est vraiment l'élément essentiel pour aujourd'hui, ce qui est présenté comme la solution clé pour sauver le régime des retraites actuel. Encore une fois, hein, plusieurs points peut-être. Hein. Le travailler plus, c'est l'idéal du monde libéral, avec des gains de productivité importants. Dans l'enseignement, ça paraît difficile, puisque de toute manière, le gain de productivité, c'est du coup la rentabilisation vis-à-vis de l'enseignement face à un certain nombre d'élèves. Moi, je crois que le sens de l'histoire, il n'est pas du tout au travailler plus. C'est-à-dire qu'en 81, quand la retraite a passé à 60 ans, les gens ont une espérance de vie plus élevée.
Donc il n'y a pas de sens, enfin il y a un sens au travailler plus, au travailler plus longtemps, mais qui n'est pas du tout dans le sens où la population vieillit et où on vit plus longtemps. Donc il y a déjà ça qu'il faut voir dans un premier temps. La deuxième chose, c'est les professeurs de PS, en fait, c'est une profession qui est soumise à de nombreuses contraintes. Et qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce sont une population qui est soumise à de très nombreux accidents de service. D'autre part, il y a ça a été donné, hein, y compris par les chiffres ont été donnés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux troubles musculo-squelettiques en fin de carrière chez les enseignants de PS, que c'était eux qui demandaient le plus les cessations progressives d'activité quand elles existaient. Et donc se pose la question effectivement de dans quel état on va finir, puisque on est soumis à de nombreuses contraintes, que ce soit au niveau sonore, que ce soit en port de charge, que ce soit au niveau de l'attention, parce que en plus les effectifs augmentent, donc la vigilance est toujours importante dans les cours de PS pour des questions notamment de sécurité et de maintien de l'intégrité physique de tous les élèves. Et donc effectivement, aujourd'hui, on ne se voit pas, parce qu'en plus on dit 64 ans, mais les professeurs de PS avec leurs 5 ans d'études, plus une fois où on peut rater effectivement le concours, on ne rentre pas dans la profession à 23 ans aujourd'hui, et du coup, ben, il faut compter les 43 unités derrière, et donc si vous partez à 64 ans en plus, vous serez soumis à un système de décote et vous n'aurez pas une retraite à taux complet. D'accord, donc autant de raisons qui font que le SNEPFSU, avec d'autres organisations, vous appelez à des rassemblements, un mouvement de grève important, le 31 janvier. Exactement, pour nous aujourd'hui, il y a une nécessité à ce que le gouvernement recule sur cette nouvelle réforme des retraites et que du coup la mobilisation a été très importante le 19 janvier. Il est très important de réussir le 31 janvier. Il faut que ça soit encore plus massif le 31 que le 19 et on décidera des suites au soir du 31 et il est nécessaire d'en discuter avec toute la profession. Merci. Pour nos auditeurs, il y a un dossier sur le site du SNEPFSU des retraites et on vous invite à cliquer, on le partagera dans le lien que vous pouvez voir dans le chat. Bonsoir, une soirée pour sortir la tête du guidon et ne pas perdre les pédales. Il est temps de se remettre en selle et de changer de braquet. Ce soir, vous l'avez compris, on va parler vélo. On va parler de savoir rouler, de philosophie à vélo, des idées qui viennent en roulant. On va parler aussi de comment faire en sorte que les élèves apprennent à faire du vélo et comment organiser et aménager un plateau pour développer et organiser un cycle de VTT. Le vélo s'est longtemps développé en dehors de l'éducation physique et sportive. Le savoir rouler a d'abord été une entrée essentiellement sécuritaire. Plus récemment, la crise écologique et la sédentarité de la jeunesse a enfourché le vélo pour la mobilité douce et une approche plus active des déplacements. L'EPS, contributive à des grandes finalités, n'est pas contradictoire avec les savoirs dans les APSA et le pilotage dans le vélo. Le Centre PS Société a choisi d'organiser une revue autour du vélo en ayant l'audace de dire qu'il devrait être de la responsabilité des enseignants de l'éducation physique et sportive d'enseigner le vélo. Avec nous ce soir dans le peloton, Sébastien Molena, professeur de PS à l'Académie d'Aix-Marseille et membre du bureau du centre EPS et Société. Olivier Ralambon, passionné de cyclisme, sportif de haut niveau et aussi philosophe. On aura aussi deux collègues qui nous présenteront et partageront avec nous leurs propositions pratiques. Emmanuel Antoine, professeur de PS de l'Académie d'Aix-Marseille et Aurélie Gobert qui est professeur de PS dans l'Académie de Versailles. Merci à tous les quatre d'être présents. Alors Olivier Ralambon, merci d'être présent avec nous ce soir. Donc tu as écrit plusieurs ouvrages, hein. On aura l'occasion d'en discuter et d'échanger ce soir avec toi. Alors dans ma présentation, moi j'avais presque envie de te présenter comme un philosophe de la bicyclette. Alors dans notre monde à nous, ça peut paraître noble, dans le monde des profs de PS, mais dans la société c'est un peu dévalorisant pour un écrivain, un penseur comme toi. Comment tu expliques ce déclassement de la pensée lorsque l'on parle vélo et sport ? Je me dois de tempérer mon statut de philosophe comme je me dois souvent de tempérer mon statut d'athlète, si j'ose dire. Moi, j'ai fait des études de philosophie mais il y a une quinzaine d'années et j'ai pas remis le nez dans les textes de philosophie au sens rigoureux du terme depuis longtemps.
Voilà. Alors c'est pas du tout dévalorisant pour moi. D'abord parce que j'en suis fait de cette espèce de double parcours physique et intellectuel. Mais je peux répondre à la question de savoir pourquoi, sans doute, on dévalorise le. Pourquoi les tenants de l'esprit dévalorisent le corps et inversement, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire, on vit dans une culture, ça personne ne l'ignore, très dualiste. Le corps est considéré comme un objet de connaissance, une machine, enfin quelque chose qui fonctionne. C'est le vieux paradigme cartésien du corps-machine, tout ça. Et donc, il y a le rapport du corps et de l'esprit, une sorte de conflit. Et je crois que, y compris du point de vue des sportifs, ce conflit est alimenté. C'est-à-dire qu'on a tendance dans les milieux sportifs, sans doute pas toujours, mais souvent, à considérer la pensée comme une perturbation de l'action. On voit ça même dans les exercices de préparation mentale, où il y a des exercices qui consistent à. Ça me surprend, enfin, ça me scandalise un peu et ça me surprend pas. Et quand je dis que ça me scandalise, c'est pas tout à fait vrai, mais la pensée ou le travail de l'esprit est un truc négatif, c'est-à-dire il faut écarter les pensées parasites pour coller au plus près de son geste. Parce que le fantasme du sportif, le fantasme du geste réussi, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire c'est l'annulation de la distance au monde, l'annulation du rapport de connaissance. Il faudrait retrouver à son propre. Par rapport à son propre corps, une espèce d'adhésion comme ça, qui est toujours dont on est infirme, nous les humains, parce qu'on se tient à distance du monde. Voilà, donc il y a un conflit comme ça, irrésoluble entre le corps et la pensée, qui fait que non seulement les intellectuels, entre guillemets, ont souvent, même si ça change un peu, méprisé les choses du sport, mais inversement, les tenants de l'exercice physique se méfient beaucoup de la pensée qui serait. Un danger, une perturbation, voilà. Et puis, il y a peut-être aussi des raisons plus triviales, plus sociologiques, ou je ne sais pas, il y a une séparation dans notre société entre les gens qui produisent le geste sportif, les athlètes, et puis les commentateurs du sport, qui, c'est au moins vrai pour le vélo, je pense, qui longtemps se sont appropriés le discours sur le sport, et ont dépossédé les athlètes de ce discours sur leurs propres gestes. Il y avait dans le cyclisme, en tout cas, c'est assez flagrant, il y a un partage implicite entre toi, tu pédales, et moi, je sais faire des phrases, quoi. Et alors qu'il me semble que si on considère que le journalisme devrait être, le journalisme sportif devrait être au geste sportif, un peu ce que la critique est à la littérature, commenter le sport, ça devrait être un double travail de critique et peut-être de maïeutique, comme on dit, c'est-à-dire d'accouchement de la parole des athlètes, de les aider à trouver la formule de ce dont ils. Mais il y a une sorte de partage un peu jaloux et paradoxal parce que je trouve qu'en même temps, les commentateurs sportifs sont souvent beaucoup trop fascinés par les gens dont ils commentent les exploits, quoi. Ça, ils se comportent souvent comme des fans. Donc la critique n'y est pas, la maïeutique non plus. Et peut-être que ça s'enracine dans le fameux dualisme métaphysique du corps et de l'esprit. D'accord. Alors, justement, avant de me lancer un peu dans les livres que tu as écrits, Julien Camille, qui a aussi publié dans la revue et qui a travaillé sur sport et cinéma, il m'a dit, avant de te lancer, lis son premier livre qui s'appelle « Comment lire des livres que l'on ne comprend pas ». Bon, moi, je dois dire que ça m'a fait beaucoup rire en tant que sportif. C'est un livre, finalement, où un sportif conseille une stratégie d'entraînement pour entrer dans des lectures compliquées. Alors, tu parles à l'intérieur de SD, de SM, de SL. Oui. Tu as même pris des postures de cycliste pour rentrer dans la lecture de certains livres. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un peu à nos auditeurs ces initiales? Qu'est-ce que c'est que ces SD, SM, SL? Et revenir un peu sur l'ensemble de tes conseils pour entrer en lecture. Oui. Alors, je ne sais même plus exactement les SD, ça doit être séance dure, séance longue, séance molle, séance lâche, ouais, des choses comme ça. Bah, l'histoire, en fait, l'histoire de ce livre, c'est déjà que mon éditrice Amélie Petit, qui a fondé les éditions Premier Parallèle, voulait initier une collection de livres de caisse, des textes courts, et qui était supposé avoir un aspect pratique. Et elle me dit comme ça, enfin moi je l'ai pris comme une plaisanterie. Qu'est-ce que tu peux m'écrire à ce sujet-là? Et moi je raconte, je peux te raconter comment je réponds, je peux te raconter comment j'ai appris à lire à 35 ans. Voilà. Et c'était une boutade de ma part, mais elle m'a dit vas-y fonce. Et alors j'ai fait le récit de. Bon, l'histoire c'est que à 35 ans, moi j'ai repris des études de philosophie après quelques années après avoir arrêté la compétition cycliste et y avoir consacré une dizaine d'années presque à plein temps parce que j'étais une espèce d'amateur un peu marron
comme il en existait beaucoup dans les années 80 et 90. J'ai vivoté de course pendant longtemps. Et puis j'ai repris ces études de philo. Et j'ai dû, à 37 ou 38 ans, rédiger un mémoire de maîtrise et m'attaquer à des textes dont je me souviens encore du prof qui me dit: tu vas devoir lire ce texte de Merleau-Ponty, se passer la main dans les cheveux d'un air embarrassé pour me dire tu vas souffrir, tu vas buter, quoi. Et en effet, j'ai acheté le livre, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert la première page et je suis arrivé en bas de la page et j'ai dégringolé en bas de la page et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai lu, mais j'ai rien compris, quoi. Et je me suis dit, comment je vais me débarrasser de cette difficulté? Ben, je ne savais pas, mais j'ai fait avec ce que j'étais, c'est-à-dire en gros un corps performant. Et donc ce livre est à la fois une blague et en même temps, je pense qu'il dit des choses très sérieuses, c'est-à-dire qu'il dit que lire est une épreuve physique, qu'on lit avec son corps. Ça, peut-être que ça va un peu à l'encontre de la vulgate actuelle qui accorde une espèce de privilège ontologique au cerveau, quoi. Je veux dire, on lit avec tout son corps, le cerveau est rien d'autre qu'un organe, et lire est une épreuve physique. Alors, moi j'ai fait avec ce que j'étais, j'ai commencé, pour me confronter au texte, déjà à m'aligner sur le texte, comme j'étais aligné sur mon vélo. Je suis même allé, ça c'est l'anecdote, chercher des petits coussins qui étaient autrefois sur mes prolongateurs de cintre pour poser mes coudes de part et d'autre du livre et pour bien m'aligner. Et puis j'ai dit, à nous deux, Merleau-Ponty, on va lire 5 fois, on va lire 10 fois, on va prendre des notes, on va lire à voix haute, on va changer l'ordre des mots et on va bien arriver à quelque chose, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Et puis je m'organisais comme pour mes courses de vélo, c'est-à-dire que je mangeais léger, je prenais une petite douche, je faisais une sieste sur la moquette et je voulais être frais pour m'attaquer à Maurice Merleau-Ponty. Et j'ai fait avec mon expérience. Et donc, mon expérience de sportif m'a aidé à endurer la lecture, si j'ose dire, à m'y attaquer. Et inversement, je crois qu'en lisant, j'ai appris des choses qui peuvent être utiles à tous les sportifs. C'est-à-dire que, alors je faisais le planning pour la semaine, mardi 3 heures, comment on fait ses plans d'entraînement, mardi 3 heures, mercredi 2 heures, et ainsi de suite. Et puis j'ai découvert que parfois on a tout son temps, on passe 3 heures à s'escrimer sur un texte, on prend des notes, on fait tout comme il faut, et puis on se couche déçu parce que ça n'a rien donné, un peu comme une course qu'on a ratée, on n'a rien compris, on n'est pas sûr. Et puis le lendemain, en enfilant ses chaussures vite fait, en prenant un café, on parcourt distraitement une page qu'on avait travaillée dur la veille, et là tout s'éclaire, le sens apparaît, etc. Donc je pense que toute progression dans la vie est une sorte d'articulation entre un volontarisme comme ça affirmé, on travaille dur et on ne peut pas s'en passer de cette partie de travail, et en même temps une forme d'acceptation que tout n'est pas ne fonctionne pas sous le joug de la volonté comme ça, et que quelquefois, comme dit Rimbaud, le jeu est un autre, il y a des tas de choses qui nous traversent, il y a des moments ça s'éclaire, il faut accepter ça aussi. Et il faut articuler sa progression entre, il faut bosser dur et il faut aussi accepter que ça ne marche pas comme on veut, quoi. D'où les séances molles, les séances dures. Voilà, c'est une plaisanterie. Il y a même des menus, je ne sais plus, des menus Foucault, des menus Derrida, c'est ça. Des menus Leibniz, je ne sais pas quoi. Bon, nos auditeurs, on les invite à lire ton livre avant de s'attaquer peut-être à la revue Contre-Pied. Mais la revue Contre-Pied les aide un petit peu, hein, Sébastien, puisque finalement, les rubriques viennent aussi rythmer et avec des articles aussi plus courts, plus longs, qui peuvent déjà, quelque part, un peu découper des séances d'entraînement à la lecture. Alors, finalement, tu disais tout à l'heure que les commentateurs ont pris la main sur le discours sur le vélo. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui de nombreuses expressions, hein, sur le vélo. Ouais. J'en ai noté plusieurs, hein, avoir la tête dans le guidon, perdre les pédales, se remettre en selle, avoir un petit vélo dans la tête, passer à la vitesse supérieure, changer de braquet, pédaler dans la choucroute ou dans la semoule. Donc la plupart de ces expressions font d'ailleurs référence à ce que tu évoquais, c'est-à-dire à une activité du corps qui empêcherait de penser. Et dans Le coureur et son ombre, tu dis que c'est grâce au vélo que tu as découvert la vie, et au contraire, on ne baisse pas la tête, comme l'on entend souvent, mais on la lève. Tu as appris à vivre et à penser à vélo. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette idée? C'est-à-dire que c'est pas une leçon, pour moi c'est un fait. De fait, je veux dire, c'est la vie que j'ai menée de 20 à 30 ans, et je sais pas, quand je dis que j'ai appris à vivre, oui, j'étais toute la journée dehors, j'étais sur mon vélo, ou bien en voiture, ou bien dans un réfectoire immonde. Vivre la vie de coureur cycliste, c'est pas seulement pédaler 4 ou 5 heures par jour, c'est dormir avec des coureurs, manger avec des coureurs, voilà. Et peut-être que c'est ça qui fait la difficulté d'une carrière, autant que la rudesse de l'effort, quoi. Et
quant aux expressions dont tu parlais, alors je pense qu'elles n'ont pas toutes la même valeur. Certaines témoignent d'une espèce, peut-être d'une sorte de mépris social qui en référerait aux origines aristocratiques du sport et au fait qu'en se professionnalisant, le sport et le cyclisme particulièrement a échu aux classes populaires. Alors, je ne sais pas quelle expression on pourrait citer. Et puis, il y a aussi, comment dire, celles qui font, qui en réfèrent à l'aspect cyclique et répétitif. On vit dans une société où la répétition, le ressassement, sont pas très valorisés. Alors que je pense que, par exemple, la lecture et l'entraînement nous apprennent l'inverse. Il faut, qu'on ne dit jamais deux fois le même poème. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est parce que jamais un instant n'est comparable au précédent. Donc oui, moi c'est surtout un fait, j'ai appris à vivre à vélo, c'est-à-dire que les premières fois où j'ai été amoureux, j'étais aussi cycliste, les premières fois où j'ai vécu avec une femme, j'étais aussi coureur cycliste, j'ai appris ce qu'on apprend à 20 ans, tout en pratiquant le vélo tous les jours et presque toute la journée, quoi. C'était mon lieu, voilà. Alors justement, sur un peu le côté cyclique et dévalorisant, on entend souvent « pédaler, c'est rien, il suffirait d'appuyer sur les pédales comme s'il n'y avait rien à prendre ». Pourtant, tu dis que la pédale se couvre de caresses bien plus que l'on appuie. Oui, ça j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'on m'a… Bah pareil, j'avais choisi un sport qui était quand même pas mal connoté, ce sport d'ouvriers, sport de bourrin et tout ce qu'on veut. Or j'ai fait l'expérience de, et puis je suis arrivé à l'époque dans les années 90, on commençait à faire des tests d'effort, tout ça, où il y avait j'ai expérimenté l'écart absolu entre les capacités thermiques mesurables de mon corps, la production de watts, et puis mes capacités en situation réelle à rouler vite, par exemple. Et je pense que on croit qu'en cyclisme, il n'y a pas de geste, parce que le corps, évidemment, est entravé à la machine, ces fameux trois points d'appui, la pédale, la selle, le guidon, trois ou cinq, selon qu'on... peu importe, trois ou cinq. Vu de l'extérieur, le geste est complètement suggéré, si ce n'est rendu inutile par la machine qui le fait pour vous. Or, rien n'est plus faux, parce que ça, évidemment, c'est s'intéresser au corps-objet comme un objet dans l'espace, cet objet de connaissance dont je parlais tout à l'heure. Et moi, j'ai découvert avec mes lectures de Merleau-Ponty qu'il existe un corps propre, dit Merleau-Ponty, qui désigne un espace. Alors lui, il dit, d'ailleurs comment il dit, je ne sais pas, mais il fait référence à un espace qui est unifié et indécomposable, qui n'est pas l'espace partes extra partes infiniment divisible de Descartes et l'espace extérieur, mais le corps vécu, l'espace de l'intériorité, c'est un truc indivisible. On sait toujours où se situent ses mains ou ses pieds, on n'a pas besoin de les regarder dans l'espace pour en avoir les coordonnées. Et cet espace-là, c'est un espace complètement libre. Il n'est pas du tout contraint par la machine, parce qu'on peut observer de l'extérieur. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair. Et dans cet espace, c'est un espace de création. Il y a une proprioception. La part de la proprioception est aussi importante que pour le saut en hauteur ou le saut à la perche, auquel je ne connais absolument rien. Mais je veux dire, j'ai expérimenté qu'il y a des coureurs qui pédalent infiniment mieux que d'autres, et que ça, c'est pas forcément coordonnable dans l'espace géométrique, que c'est pas forcément mesurable. Ce qui m'a globalement intéressé, moi, en philosophie, ce mémoire de maîtrise que j'avais écrit était consacré à une phénoménologie du corps pédalant. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui, dans la vie du corps, échappe à la mesure. Non pas parce qu'on ne saurait pas encore le mesurer, mais parce que c'est pas mesurable, parce que ça en réfère à la subjectivité et pas à l'objectivité. Pour résumer, oui, bien sûr, la pédale se caresse, et je m'amuse beaucoup à dire qu'il y a une subtilité de posturale des grands coureurs qu'on peut pas apercevoir de l'extérieur, et qui est si ténue, si fine que la posture physique s'adosse à la disposition d'esprit. Ça, c'est une astuce, c'est une formule. D'accord. Mais elle me plaît. Ouais. Alors, avant de continuer un peu la discussion, Sébastien, Olivier faisait référence à la question de la démocratisation, que le vélo finalement est passé vers les classes populaires. Alors, dans la revue Contre-Pied, je suppose que vous avez regardé un petit peu aujourd'hui qui pratique le vélo. Est-ce que les garçons et les filles pratiquent le vélo? Est-ce que ça reste
finalement encore une pratique qui est très socialement classée. Comment elle se répartit? Est-ce que tu peux nous dire quelques éléments sur ce sujet-là? Oui, alors d'ailleurs, c'est un des enjeux de sa programmation, un des enjeux de l'école et de l'EPS, c'est de démocratiser l'accès à la culture sportive ou physique. Donc, les écarts qui sont constatés, c'est essentiellement entre garçons et filles, surtout à l'âge du collège, et puis après, ça se prolonge, pour plusieurs raisons. Une des raisons qui est avancée, c'est l'engin, le vélo, qui mettrait les filles dans des... qui seraient pas adaptées aux filles. C'est la raison qui est évoquée par l'ADEME. Il y a sans doute des obstacles qui sont plus sociaux, plus culturels. Et après, il y a une discrimination qui est envers les enfants des cités populaires, avec un lieu d'apprentissage. On sait que l'apprentissage du vélo, s'il n'est pas fait par l'école, il est fait par la famille. Et les lieux de proximité autour du lieu de résidence. On voit bien que les lieux de résidence des cités populaires, c'est compliqué parce qu'il y a du monde, on est soumis au regard des autres. Donc, l'apprentissage du vélo, ça peut passer par des chutes, des choses comme ça. Donc, c'est pas des lieux favorables à la démocratisation du vélo. Sur cette question de la démocratisation du vélo, il y a aussi le coût du vélo, l'accès ou autre. Et là aussi, il y a des inégalités. Nous, on pense que tous les établissements doivent investir dans des vélos. Juste une démonstration. Les établissements, ils n'hésitent pas à acheter des tablettes ou des ordinateurs. Deux tablettes, c'est un vélo. C'est-à-dire quand un établissement ou un conseil départemental ou régional, il achète 500 tablettes qu'il donne à tous les élèves, 50 vélos, ça pèse rien. Pour fonctionner avec 50, un dispositif de 50 vélos. Et l'autre versant de la démocratisation, qui fait aussi un obstacle à la programmation, c'est l'entretien, la maintenance. Et là, on voit des départements qui sont très volontaristes et qui commencent déjà à former des agents pour assurer l'entretien dans l'ensemble des collèges. Donc, on voit que cette démocratisation, elle passe par les profs de PS, mais aussi par le service public, on va dire, et les collectivités locales. Mais c'est un vrai enjeu. La fédération de vélo qu'on a interrogée durant la revue Contre-Pays, ils ont un dispositif qui s'appelle remettre en selle. Ils se sont rendus compte qu'il y a des communes qui ont des politiques d'aménagement de pistes cyclables, sauf que les adultes, ils se remettent plus au vélo parce qu'ils n'ont pas assez appris ou ils sont plus en mesure d'apprendre. Donc on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Tout le monde ne sait pas faire du vélo, contrairement à ce qu'on pense. Et ça s'apprend. Et nous, on pense que ça doit s'apprendre à l'école. Merci. On va prolonger aussi d'ailleurs cette réflexion avec des exemples pratiques, avec deux collègues tout à l'heure, qui reviendront aussi finalement sur une démocratisation de l'exigence aussi en termes d'apprentissage et d'études, d'être quelque part un peu performant. On verra un peu ce qu'ils entendent les uns et les autres par la performance, qu'elle soit en maniabilité ou la performance autour d'une piste, qui est peut-être pas le même type de performance. Alors justement, moi j'ai une question, Olivier Arlambeau, autour de la question de la performance. Tu as parlé de performance et tu dis qu'aujourd'hui, les athlètes, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure déjà, hein, sur la question de finalement de rechercher à adhérer à un modèle ou en tout cas à une forme de corps particulière. Et tu Oui. dis qu'aujourd'hui, les athlètes, ils cherchent à adhérer à un profil particulier de la performance. Ils deviennent finalement entrepreneurs de leur propre énergie. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton analyse de la performance? Oui, alors, il cherche à adhérer. De fait, je crois que oui. Et puis encore une fois, je parle du vélo, mais je pense que c'est pas seulement valable pour le vélo. Je crois que performance, ça fait partie des mots dont on n'interroge plus l'ambiguïté axiologique, si j'ose dire. Il y a une étymologie un peu comment dire fantaisiste de performance, mais que j'aime bien. Allez, dans performance, on entend percer sa forme. En fait, je crois que l'étymologie exacte, ça vient à moitié de l'anglais, to perform, et puis aussi du vieux français qui disait parformer, et c'était parfaire la forme. Et de fait, on a utilisé ça à propos des chevaux, d'abord ce mot de performer. Mais performer, on entend percer sa forme. Il y a une certaine violence là-dedans. Et c'est pareil pour un mot, une locution qu'on utilise à tout bout de champ de nos jours, qui est le dépassement. Aujourd'hui, le dépassement de soi, si tu ne cherches pas à te dépasser, t'es nul. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se dépasser exactement? Quand on prend ça au pied de la lettre, se dépasser, c'est-à-dire c'est s'échapper à soi-même, aller au-delà de soi-même, c'est quelque chose d'insurmontable, c'est un paradoxe, parce qu'au-delà de soi-même, on n'est plus soi-même, etc. Donc c'est se mettre en danger, d'une façon ou d'une autre. Même si c'est pas très entendable. Et il se trouve que le cyclisme était
a été historiquement un sport des pays latins ou des pays catholiques, enfin l'Italie, la France, l'Espagne et les Flandres, et qu'a longtemps prévalu en cyclisme une notion du dépassement très, très mystique, très, très religieuse et très catholique, qui est liée à l'endurance un peu, dans le sens augustinien, endurer la douleur, comme ça, la pénibilité, tout ça, souffrir. Il y a un truc un peu baroque, sanglant et excessif dans le commentaire qu'on a fait souvent du cyclisme. Enfin, c'est valoriser l'épuisement. Ça correspond aussi à la définition, qui est sans doute très discutable, mais que j'aime bien, que Bataille donnait de la religion. Il disait qu'une société religieuse se reconnaît par sa capacité, je cite de mémoire, c'est approximatif, mais sa capacité à dilapider toutes les ressources excédentaires. Et dans le cyclisme, il y avait comme ça une espèce d'éthique de l'épuisement qui nous a fait aimer Polydor, etc. C'était accorder moins d'importance au résultat qu'à la manière. Et la manière, la valeur, c'était vraiment d'arriver à l'épuisement. Il se trouve qu'un cycliste, il y a 30 ou 40 ans avant l'apparition des cardiofréquencemètres et à plus forte raison des capteurs de puissance, quand il arrivait au pied d'un col, il savait juste qu'il allait s'accrocher à mort, entre guillemets, qu'il était prêt à souffrir et aller au-delà de lui-même. Mais il visait une sorte d'inconnu qui était presque religieux, en tout cas un peu mystique. Il cherchait à aller effectivement à se dépasser, à aller au-delà de lui-même. Moi, je trouve que ça s'illustre assez bien, cette façon de sortir de la forme ou de percer sa forme. Justement, dans les Métamorphoses d'Ovide, il y a la fable d'Actéon, et qu'on retrouve aussi chez Giordano Bruno. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je la raconte vite fait. Je crois que oui. L'histoire en deux mots, c'est qu'Actéon part à la chasse et qui surprend la déesse Diane au bain, et que pour le punir, elle le transforme en cerf, et Actéon est dévoré par ses propres chiens. C'est-à-dire que cherchant une sorte d'au-delà de la morale de l'histoire, si on peut dire rapidement, cherchant à viser au-delà de lui-même, comme ça, à se dépasser, il est transformé en l'objet de sa quête, et c'est dire que ce dépassement t'envoie vers une espèce d'au-delà où le soi du dépassement se dissout et n'existe plus. Bon, et on sait que notre culture chrétienne, on sait qu'il y a eu la réforme, qu'on vit désormais dans une société protestante, qui a favorisé le capitalisme marchand, etc. Et que le mot d'ordre de la réforme, c'est non pas c'est pas le salut par les œuvres, c'est pas de chercher à être parfait pour gagner le paradis et pour viser un au-delà, c'est de prospérer sur la terre. Et aujourd'hui, je fais un constat un peu rapide, sans doute, qui mériterait de prendre bien plus de précautions. Mais les sportifs, avec les capteurs de puissance, par exemple, ne percent plus leur forme, ne cherchent plus un dépassement. Ils cherchent au contraire à épouser au plus près les contours d'une forme qui est définie à l'avance comme un pattern scientifique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais et ça se trouve dans le langage courant. C'est-à-dire que, on parle de gérer son capital physique, etc. Et je pense qu'il y a un enracinement assez profond comme ça dans la culture, dans la culture de nos sociétés, quoi. Alors évidemment, tout ça, ce sont des raccourcis, mais je suis assez persuadé qu'ils ont une forme de pertinence. Merci. Alors, on va. Merci à tous les deux, à Sébastien Molena, donc, qui a accordé le numéro contre-pied à Olivier Arlambon. Vous pourrez, dans la soirée, hein, même si on va basculer sur le côté un peu de propositions pratiques, prendre la parole, commenter, discuter avec nos deux collègues qui se sont prêtés au jeu de partager ce soir avec nous finalement ce qu'ils font avec leurs élèves. Alors, je commence par toi, Antoine Emmanuel, professeur de PS à l'Académie d'Aix-Marseille, dans un collège dans les Hautes-Alpes, pardon, dans les Alpes de Haute-Provence, Provence. à Forcalquier. Alors, ma première question, c'est autour de l'activité, c'est concernant l'activité VTT. C'est quoi finalement ce VTT? Ça veut dire que avec tes élèves, tu les amènes sur des chemins, tu les amènes en balade. C'est quoi les attendus qu'on peut avoir à l'école sur l'activité VTT? Bon, mais pour moi, déjà, concernant l'activité VTT, bon, c'est une activité, on l'a rappelé tout à l'heure, qui est relativement englobante d'un point de vue des pratiques cyclistes, c'est-à-dire que à la fois on va pouvoir travailler des données qui vont concerner la mobilité, puisque pour rejoindre la colline, il faut bien traverser, passer dans des secteurs urbains. Et puis le VTT, et là pour moi il y a des enjeux forts en EPS. L'idée c'est de dépasser ça, c'est-à-dire que ce qu'on apprend aux élèves, c'est pas utiliser un vélo pour pouvoir se rendre au travail, pour être productif et puis ensuite rentrer chez soi.
c'est on va travailler sur des pratiques émancipatrices. On va leur apprendre à piloter leur VTT, à faire des choix dans des milieux qui vont être plus ou moins connus, plus ou moins complexes, plus ou moins naturels, en jouant avec leurs ressources, donc pour conduire un déplacement tout en assurant leur équilibre, leur sécurité et celle des autres. Et à l'école, avant de sortir, on peut travailler vraiment beaucoup de compétences, faire un cycle entier à l'intérieur d'un établissement, et y compris si on n'a pas beaucoup de dénivelé, y compris si on a seulement un plateau sportif, en travaillant par exemple par atelier, là ce qu'on peut voir ici. Le parti pris, c'est de dire que chaque élève peut faire un pas en avant du point de vue de la motricité fine qui fait partie de l'activité VTT, en mettant par exemple différents niveaux de réussite pour une même compétence. On verra tout à l'heure, par exemple, pour franchir un obstacle, eh bien, on peut considérer dès lors qu'il y a un allègement de la roue avant, avec un franchissement effectif d'un obstacle bas, l'élève est déjà en réussite. Et après, on peut proposer donc, différents niveaux de progression. Et à chaque niveau, eh bien, on met en relation l'élève, du coup, on transforme un petit peu son rapport au monde. Au sens où, quand on est en VTT en montagne, par exemple, l'idée qu'un caillou, un rocher, on ne va pas le déplacer, on ne va pas le casser, on va le franchir. En tout cas, on va avoir un choix à faire, soit de descendre du vélo, soit de contourner l'obstacle si l'on peut, soit de le franchir. Et donc, c'est vers ça qu'on essaye de tendre un petit peu avec nos élèves. Là, on peut voir sur le parcours que du coup, voilà... des élèves travaillaient différents types de compétences motrices, donc pour faire demi-tour, en étant équilibré, pour tourner, pour franchir des obstacles relativement variés, pour s'équilibrer sur leur vélo. Alors justement, tu fais référence un peu dans la définition de ce que c'est que le VTT à l'école, à plusieurs priorités en termes d'objets d'études finalement, hein. Tu as parlé de franchissement, tu as parlé de pilotage, alors est-ce que tu pourrais, en prenant un exemple, hein, de pas tous les passer en revue, mais à partir d'un exemple, par exemple, soit le franchissement, soit un autre, comme tu veux, nous en dire un petit peu plus, pour qu'on voit l'évolution et la progression qui pourrait être attendue pour des élèves au sein d'un établissement scolaire. Bon, alors au départ, on peut partir sur des choses vraiment très simples avec deux plots, puisque en premier, peut-être qu'on va essayer de travailler avec les élèves sur comment on s'assure d'être en sécurité en vérifiant les différents éléments de son vélo, comment se placer idéalement sur son vélo en fonction du contexte, comment s'équilibrer sur son vélo, freiner, donc différencier le frein avant, le frein arrière, différencier, bloquer sa roue, de ralentir la rotation de sa roue, passer ses vitesses, et donc se déplacer avec des éléments qui concernent franchir, descendre, faire demi-tour, prendre un virage. Sur le franchissement, une fois qu'on va avoir la position descente de valider, là l'élève on le voit par exemple, donc il n'a pas les fesses sur sa selle, il a les deux pédales à plat, il est plutôt relâché, on va donc proposer de franchir par exemple une simple latte au sol dans cette position, avec la roue avant et la roue arrière qui va venir toucher contact de la latte, là on a vu un élève passer par exemple. Sur une deuxième étape, on va lui proposer donc d'alléger sa roue avant pour que sa roue avant ne touche plus la latte et passe donc par-dessus, la roue arrière elle touche la latte. Dans un temps suivant, on va pouvoir lui proposer donc de faire passer la roue avant sans toucher la latte, puis la roue arrière. Donc là pour illustrer le propos, hein, on voit une élève qui était débutante au début de l'année. Là aussi, hop, donc là on est sur déjà un niveau 2 puisqu'elle arrive à alléger sa roue avant, elle maîtrise la position cavalier ou descente. Puis là on va voir un élève, un niveau un petit peu supérieur, lui il va réussir à alléger sa roue avant, transférer et puis lever sa roue arrière pour franchir l'obstacle. Et puis après, c'est infini hein, ces compétences-là, on peut travailler sur donc ce qu'on appelle un bunny up avec un élève, voilà, hop, qui va proposer un allègement de la roue avant, on a un décollage de la roue avant, puis un décollage de la roue arrière pour ensuite venir poser son vélo. Donc quand on arrive à un niveau là, on est déjà sur un niveau plutôt UNSS, un niveau relativement avancé.
D'accord. Alors, on voit quand même que là, dans les vidéos, on en a vu plusieurs au départ, et là aussi, on voit que le plateau, là, tu fonctionnes avec une classe, donc avec 24 élèves, je suppose. Donc, comment tu t'y prends? Tout le monde a un vélo? Est-ce que c'est un vélo pour deux? Sébastien Molina faisait Alors, référence tout à l'heure sur l'importance d'équiper un établissement scolaire d'un parc à vélo, pour différentes raisons. Bon, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour guider les collègues pour qu'ils puissent se lancer? eh bien oui, donc nous, pour refaire l'histoire, on était confrontés un petit peu à toutes les problématiques qui ont été avancées tout à l'heure par toi et Sébastien. Nous, on a fait le choix d'acheter progressivement des vélos. On a entamé une pratique du VTT donc par l'UNSS, où les élèves qui avaient un vélo amenaient le leur. Et puis nous, on a acheté trois vélos au départ pour les élèves qui n'en avaient pas. La proposition de pratique par atelier dans l'établissement scolaire, on travaillait sur un atelier avec un vélo pour trois ou un vélo pour quatre au début, parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis progressivement, on a acheté un quatrième, un cinquième, et aujourd'hui, on a 10 vélos. Ce qui nous permet, du coup, en travaillant par atelier ou en circuit continu, d'avoir au moins un vélo pour trois, avec donc un élève qui va être cycliste, par exemple, un autre qui va être pareur quand l'atelier le nécessite, et un élève qui va être juge. Et donc on va travailler soit sur des circuits de maniabilité, avec des passages à un point, 3 points, 5 points, ou un travail en circuit continu ou en atelier, comme on l'a vu avant. Alors, ma dernière question, un peu en écho avec ce qu'on a pu avoir en première partie de la soirée, c'est finalement tu travailles tu fais le choix de partir sur le VTT avec tes élèves, mais comment tu articules? Alors du coup, question un peu inverse que ce que j'ai pu poser à Sébastien, mais comment tu articules toi cette question de l'étude du VTT avec les questions un peu plus globales et générales? Autour de l'écologie, de la mobilité, de voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta réflexion? Comment tu rentres sur le sujet? Alors sur les questions, déjà de mobilité, effectivement, beaucoup d'élèves, enfin pas tous évidemment, mais une partie des élèves ont un vélo chez eux. Donc le premier pas, c'était de venir avec à l'école, de proposer des choses très simples, et puis de commencer à apprendre à vérifier son vélo, première étape avant d'apprendre à faire des réparations dessus. Ensuite, de proposer une pratique à l'intérieur de l'école, avec un prolongement possible en UNSS, où là on va avoir des sorties collines, montagnes, etc. Et puis parfois des sorties en fin d'année un peu plus loin. Sur le lien avec l'écologie, il est multiple. Ça peut être sur, par exemple, des apprentissages qui visent à réparer à chaque fois que c'est réparable sur son vélo. Ça va être aussi dans le rapport qu'on entretient avec le milieu qu'on dit naturel. Même si on est en colline ou en montagne, c'est toujours des espaces quand même transformés par l'homme. Quand on trace un sentier, le sentier, il n'est pas présent de manière originelle comme ça, et les arbres qui sont plantés sont des choix faits par l'homme également. Mais en tout cas, de se dire avec les élèves, de penser les sentiers, c'est-à-dire on ne fait pas une trace n'importe où. Un sentier, on l'utilise, ça peut provoquer de l'érosion, et donc est-ce qu'on continue de l'utiliser ou pas? Est-ce qu'il faudrait tracer ailleurs? Est-ce qu'il faudrait laisser se reposer une trace quelques années avant peut-être d'y revenir? Et puis, encore une fois, les obstacles qui sont présents, eh bien, on les laisse. Et nous, en tant qu'être humain, on va faire le choix, soit de descendre, et c'est OK, on descend de son vélo, on passe à côté de l'obstacle, ou si c'est possible, on peut le contourner. Oui, et quand on en a les compétences motrices, franchir. Voilà, et donc là, en fait, quand on travaille là-dessus avec eux tous les jours, on travaille un petit peu leur rapport au monde, mais aussi aux autres, puisque quand on est, nous, à la fin de l'année, on fait une descente du Ventoux à VTT, eh bien, constamment, on prend soin des autres, quoi. Chaque élève, à un moment donné, se retrouve en situation de fragilité, vit une fragilité, il va avoir besoin des autres qui vont soit se placer en parade dans une épingle qui pour lui est difficile, et puis on va lui donner des conseils. S'il doit descendre son vélo et qu'il est fatigué, il y a un élève qui va lui prendre son vélo pour descendre le passage difficile. Et donc ces milieux extérieurs comme ça, de montagne ou de colline,
avec l'acte de l'enseignant, ils invitent vraiment à penser l'exercice d'une solidarité entre les êtres humains et en même temps que un rapport d'humilité par rapport au milieu dans lequel on évolue et puis un petit peu à construire une pensée écologique sur qu'est-ce qu'on fait de nos espaces, quoi. On sent bien dans ce que tu proposes aux élèves qu'il y a de l'ambition et une volonté de transformation et d'émancipation des élèves. Quand on a préparé la soirée, tu m'avais fait part un peu de ton agacement sur l'entrée mobilité de son vélo en disant que pour toi, si on rentrait que par la mobilité, tu trouvais que ça ne remplissait pas totalement la fonction de l'école. Est-ce que pour conclure un peu cette discussion, tu pourrais revenir sur ton regard sur ce sujet-là? Et oui, mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de politiques publiques autour de on va construire une piste cyclable donc bien lisse, séparée de la route. Donc en fait, on va prendre sur des espaces parfois encore en herbe, etc., pour agrandir la surface bitumée. Alors il y a des endroits où c'est tout à fait pertinent, hein, dans des grandes villes par exemple, mais on retrouve cette logique-là aussi dans les campagnes. On va proposer du savoir rouler, où le savoir rouler finalement c'est poser le pied au feu rouge, s'arrêter au stop, toutes des compétences qui sont utiles, hein, que nous aussi on va travailler, mais qui, si on s'y limite, pour moi enferme les élèves dans un futur on va dire qui est de déplacement pour pouvoir être productif. Et puis avec un rapport à son vélo, un marchand à son vélo, c'est-à-dire qu'on achète un vélo et puis ensuite on le fait entretenir par quelqu'un d'autre. Et moi, le choix qui me semblait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus émancipateur, c'était d'aller vraiment sur un savoir piloter avec tous les autres savoirs qui le concernent aussi, hein, savoir lire une carte, savoir organiser un parcours, savoir organiser un parcours quand on part avec d'autres qui n'ont pas forcément le même niveau, savoir faire des choix en pleine nature, et parce qu'on va développer une motricité fine, on va être en situation justement de bien choisir. Et donc pour moi, rentrer sur un savoir piloté, ça fait rentrer pleinement les dimensions de motricité qui sont notre métier à nous, profs de PS. Et ces apprentissages, dans ces apprentissages-là, on va pouvoir proposer des choses beaucoup plus émancipatrices que simplement proposer un apprentissage du respect des règles de sécurité routière. Merci beaucoup. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qu'à la fois, ils peuvent poser des questions, ils peuvent partager aussi la présentation de ce soir, la vision de ce soir, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi plus largement, plus tard, par Internet. Alors, justement, il y avait une des questions qui se posait, qui se disait, mais comment enseigner le vélo et le VTT, étant donné qu'il n'y a aucun lieu où on peut être formé. En STAPS, il y a quasiment pas d'enseignement possible, très peu de didactisation. Et justement, le contre-pied et cette soirée-là essaye de pallier un peu à ce manque-là en disant qu'il faut doter les collègues de contenu, de stratégie d'enseignement et d'apprentissage pour pouvoir se lancer avec des élèves. Et je crois que cette soirée a vraiment cette vocation-là et on partagera les propositions que a pu faire Emmanuel Antoine là ce soir auprès de nos éditeurs. Alors, pour continuer avec notre dernière invitée, donc Aurélie, merci beaucoup de ta présence ce soir. Donc toi, tu es professeur dans l'académie de Versailles, finalement ta présence, c'est presque comme un contre-pied à ce numéro-là, mais aussi au propos qu'on vient de dire autour de la question du VTT, puisque toi, tu as une originalité très marquée dans ton choix d'enseignement, puisque tu enseignes à la fois le BMX et le vélo sur piste, donc tu nous en diras un petit peu plus, hein, justement ton histoire de ce choix d'enseignement est marquée par le fait que tu es dans un lieu où il y a un vélodrome. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce qui t'a conduit au-delà de du vélodrome qui est juste à côté, qui est l'un des, tu nous le décrirais un petit peu, hein, qui est un des plus beaux de France. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'histoire de ce projet, la création à la fois d'une association, d'une section dans le sport scolaire autour de cette pratique-là, et puis aussi d'une section sportive?
Oui, tout à fait. Alors moi, mon établissement est à Montigny-Bretonneux, donc on est à 3 km du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines où s'entraînent les équipes de France, notamment le pôle sprint et en BMX. Donc c'est vrai que c'est facilitant, mais la naissance des pratiques cyclistes au collège est également ancrée sur le VTT. On a créé sur le district de Guyancourt en 2014 des ASRED qui fonctionnaient au niveau district et puis ensuite au niveau départemental et plus éventuellement. Et les élèves étaient très demandeurs de pratiques VTT. Donc c'est vraiment pour nous aussi au collège au départ l'ancrage sur une activité VTT qui paraissait plus abordable initialement. Et étant à grande proximité du vélodrome, on a décidé dans un premier temps de tenter un baptême de BMX pour les élèves de l'AS, puis dans un second temps un baptême piste. Et il s'est trouvé que les sensations éprouvées, notamment sur la piste, étaient très très différentes de ce qu'on pouvait vivre ailleurs. Et contrairement à nos idées reçues, pour le coup, les élèves ont énormément adhéré à ces pratiques-là. Donc on a créé l'année suivante une AS uniquement, en piste et en BMX, et on a fait une demande d'ouverture de section sportive. Voilà. Alors, justement, tu fais référence là, dans ton propos d'émotion, de sensation pour les élèves qui ont fait du vélo de piste. Alors, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Qu'est-ce que c'est qui produit ces émotions et en quoi, pour toi, dans l'enseignement que tu proposes, c'est important? Ben, les élèves qui avaient été interrogés à l'époque dans le cadre des EPI en 2016 avaient expliqué aux journalistes que sur une pratique, par exemple, de type VTT ou BMX, sur une pratique de type VTT ou BMX, les sensations éprouvées pouvaient être vécues ailleurs. Par exemple, prendre le VTT, aller en vallée de Chevreuse et trouver des bosses, c'était quelque chose qui leur paraissait facile d'accès. Alors que les sensations éprouvées sur une piste comme celle du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines leur paraissaient complètement extraordinaires et avec des émotions décuplées par rapport aux autres pratiques cyclistes qu'ils avaient connues jusque-là. Sébastien Molenard, donc dans la revue Contre-pied, finalement, par rapport aux autres comptes rendus de pratique, puisqu'il y a plusieurs comptes rendus de pratique, il y a un compte rendu pratique qui est un peu atypique. Je sais pas si on peut le qualifier de cette façon-là, qui concerne le vélo sur piste. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce choix d'avoir ce numéro-là, alors même qu'il semble que vous ayez opté pour le VTT dans la ligne éditoriale? Donc là, oui, je vais expliquer un peu la genèse de ce choix. En fait, on s'est rendu compte, donc il y a des collègues pionniers qui rentrent souvent, je l'ai dit tout à l'heure, par l'UNSS, les sections sportives. Et en cours, il y a essentiellement du VTT qui fonctionne un peu sur un contenu relativement polyvalent. L'enjeu est polyvalent, mais on l'a vu là dans les images d'Emmanuel. Il y a du trial, mais il va aussi à la colline, il fait du cross-country, des choses comme ça. Et nous, on pense que si, c'est une hypothèse, que si le vélo se développe considérablement dans les collèges, ces premiers cycles, qui sont déjà des cycles quand même costauds, on pourra aller vers des contenus plus spécifiques. En fait, la pratique du vélo va se segmenter. Il y a des modalités de pratique, il n'y a pas que l'engin. Et donc, ce qui nous intéressait dans le vélo sur piste, c'est qu'on était, bon, déjà, le lieu du vélo, c'est le vélodrome. Donc, ça, c'est intéressant. Oli, je crois que tu peux confirmer. Il y a 150 vélodromes, c'est ça, en France? Oui, c'est ça. Il y a un peu plus d'une centaine de vélodromes et la moitié qui ont accueilli l'année dernière des compétitions, Voilà, qui donc sont déjà, exploitables. d'ouvrir les yeux des collègues, peut-être des collègues, ils ont à côté d'eux un vélodrome. Et donc ça, c'est déjà intéressant de dire le lieu du vélo et qui a plus produit des sensations qui sont extraordinaires. Parce que nous, on est dans l'idée que la pratique du vélo, il faut monter d'un cran. Et de monter d'un cran, ça peut être aussi d'être sur des contenus très spécifiques, comme le propose le vélo de piste. Donc c'était un peu ça l'idée, de montrer, il n'y a pas une hiérarchisation des choses. C'est-à-dire qu'au sein des pratiques vélo, il y a des choses qui peuvent être poussées à plus poussées. On peut penser qu'il y a des collègues en lycée qui font du run and bike. C'est un type de pratique. Voilà, donc on prend le VTT, mais il y a quand même des segmentations qui s'opèrent et les collègues ils peuvent rentrer dans ces différentes modalités. C'est un peu ça l'idée du choix de ce contre-pied. Alors, concrètement, si j'ai envie de me lancer, un peu comme toi, parce qu'il y a une installation sportive finalement à côté de qualité, comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, Quelles sont un peu les étapes par lesquelles je dois me passer pour
Pour m'engager avec une classe, un groupe d'élèves. Alors moi, pour rebondir un petit peu déjà sur les propos de Sébastien, en fait, l'avantage d'une pratique du BMX ou de la piste, même si ça paraît au départ plus confidentiel et peut-être plus sélectif, ça permet aux profs de PS qui ont souvent l'appréhension par rapport à la pratique VTT ou de la route des conditions de sécurité de la pratique. Là, on a un espace qui est fermé à la circulation, qui est clos, sur lequel on peut faire évoluer finalement un certain nombre d'élèves en même temps, dans un espace restreint, et ça peut être facilitant, alors que dans un premier temps, on pourrait penser que c'est une problématique, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, le vélodrome que nous, on utilise, est utilisé par les équipes de France, il est très exigeant, techniquement et physiquement pour des petits, mais sur les à peu près 150 anneaux qui existent en France, il y a énormément d'anneaux qui sont beaucoup plus accessibles pour des débutants. Des anneaux extérieurs, des anneaux qui sont des structures davantage municipales et qui permettraient pour une classe en EPS, par exemple, de fonctionner de façon très confortable. D'accord, mais alors, comment je fais comment je... Alors, l'idéal, c'est de se rapprocher dans un premier temps d'un comité régional de cyclisme, par exemple, surtout que la fédération est très attentive actuellement à ce qu'on essaye de proposer dans le milieu du scolaire. Oui, ce soir, nous avons d'ailleurs, je crois, plusieurs personnes. Oui, que j'aimerais remercier de la fédération française, du comité d'Île-de-France, et puis, a priori, Grégory Bauger aussi, qui est entraîneur du pôle sprint à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les équipes de France. Qui sont disponibles et à l'écoute de... Disponible, attentif. Qui voulait se lancer dans cette activité-là. Oui, qui viennent voir éventuellement même les jeunes pratiquer. Donc, d'accord, donc tu disais prendre contact avec ce... Avec un comité régional qui peut éventuellement nous orienter soit vers des structures existantes sportives, soit vers des clubs qui pourraient nous accompagner dans ces pratiques. Parce que c'est vrai qu'en termes de formation au sein de l'éducation nationale, il n'y a pas d'outils pour le moment... très développé. Alors, il existe, c'est vrai qu'il existe des formations continues sur le VTT dans plusieurs académies ou départements, mais sur le vélo en dehors du VTT, je crois que c'est vrai que tu as raison, il n'existe pas grand-chose, libre à nous de pouvoir voilà, c'est ça. Il faut vraiment se rapprocher, il y a une convention entre l'UNSS en plus et la FFC, il faut vraiment se rapprocher des structures fédérales dans un premier temps. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis pas cycliste initialement, pour suivre des formations fédérales et être accompagnée. D'accord. Alors, tu parlais d'émotions. Tu disais, les élèves ressentent des émotions. Mais moi qui ne connais pas du tout l'activité, j'ai du mal à savoir. Ils vont prendre des émotions en faisant quoi? Est-ce que tu peux nous dire finalement, ils prennent des émotions en parce que tu parles d'anneaux. Oui. Donc, en faisant des tours, ils prennent des émotions. Est-ce que tu peux nous aider un peu à mieux saisir ce que tu veux dire par là? Nous, c'est aussi lié à la structure. Le vélodrome national de Saint-Quentin fait 250 mètres. C'est un vélodrome olympique qui fait 8 mètres de large avec des virages à 44 degrés. Donc, rien que de rentrer dans la structure, ça crée déjà de l'émotion, ça crée de l'appréhension par rapport à la pratique. Il y a des contraintes aussi avec un vélo de piste puisque c'est un vélo en pignon fixe, sans vitesse, sans frein. Donc, rien que l'idée déjà de monter sur le vélo, là, on peut en voir sur le petit diaporama avec deux élèves de la section. Rien que le fait d'oser monter sur ce vélo en pignon fixe, sans frein, et sur une pente à 44 degrés, ça crée de l'émotion avant même d'avoir un ressenti physique et musculaire, si on peut dire. D'accord. Merci beaucoup, Aurélie. Vas-y, vas-y. Si on a des pistes, c'est très émotionnant. Parce que quand on arrive à rouler en haut du virage, on est à 5-6 mètres du sol, je pense. Donc, les premières sensations consistent d'une part à pouvoir rouler à la balustrade, comme on dit, et puis à prendre un peu de vitesse en descendant du virage. C'est tout de suite très grisant. On a les yeux qui pleurent, on a les yeux qui pleurent tout de suite quand on est débutant. Ouais. J'imagine que pour des élèves, plus cette dimension qui consiste à vaincre l'appréhension initiale, c'est ça. Initiale, initiatique, il y a un côté comme ça. Il y a un vélo, il y a une structure, il y a un revêtement qui fait que le rendement est très très bon. Donc les sensations de vitesse plus la largeur de la piste et la pente font que quand on plonge depuis la balustrade, qui est en fait l'extérieur de la piste, la partie la plus haute, ça génère tout de suite énormément de vitesse par rapport à ce qu'on serait capable de déployer sur un VTT en déplacement urbain par exemple. Donc c'est très très fort. Ouais. C'est une épure de... Oui. Oui. Sébastien, le mot de la fin sur donc un contre-pied vélo qui appelle les enseignants d'éducation physique et sportive à changer de braquet,
qui appelle donc notre profession à se saisir finalement d'un enjeu fort autour de la question de la démocratisation et de l'accès au vélo pour tous et toutes. Est-ce que le mot de la fin pour toi, en te remerciant encore de ta présence cette soirée-là? Donc, le mot de la fin, ça, pour nous, le vélo, il y a une idée de, ça, le mot est revenu plusieurs fois, d'émancipation, parce que c'est un enjeu qui permet une liberté, une conquête de l'espace et du temps. Et ça, c'est, il n'y a pas grand chose dans la vie qui permette cette chose-là. Voilà. Ça, je pense que cette double dimension de conquête du temps et de l'espace, elle est fondamentale dans l'émancipation. Donc ça, il faut le retenir. Et après, l'idée aussi du vélo, là, on s'est centré sur ce numéro, peut-être on l'a pas assez dit, sur le temps scolaire. Mais parce qu'on avait déjà traité du vélo dans sa dimension plus loisir, les gros projets. Il y a des projets magnifiques que font des collègues sur des séjours vélo, des choses itinérantes, toutes ces choses-là. Donc on voit qu'il y a un potentiel énorme. Donc le mot de la fin, ça serait de dire aux collègues, lancez-vous. Voilà, et puis vous allez découvrir tout le potentiel vélo. Évidemment, par contre, il faut être une politique très volontariste des collectivités locales. Je le redis, c'est à un moment donné, quand on met en perspective l'investissement de parcs à vélo avec l'argent qui est mis sur des pistes cyclables, sur tout un tas de choses, on a envie de dire au pouvoir public, eh bien, aider les collèges, acheter des vélos. Je le redis, c'est rien par rapport au budget informatique sur des tablettes ou autre, quoi. Qu'on met les choses en perspective, voilà. Donc, sollicitons du monde aussi autour de nous, quoi. L'école, c'est pas lieu clos. On a des partenaires, ça a été dit par Aurélie. Aurélie, je vois le mot de la fin. On parle de l'investissement en matériel pour les établissements, mais c'est pareil là aussi. Il faut pas hésiter à se rapprocher des clubs ou des structures fédérales qui peuvent prêter du matériel. Ça peut être aussi pour se lancer dans un premier temps et pour éprouver l'activité, une première solution. Alors, merci encore à nos quatre invités ce soir. Emmanuel Antoine dans les Alpes de Haute-Provence. Cette fois, je ne me suis pas trompé dans les départements. Olivier Arambon, Sébastien Molena et Aurélie aussi Gobert. Merci beaucoup de votre présence et d'avoir participé à cette soirée de l'éducation physique et sportive. Écoutez, tous en selle, mais engageons tous les élèves en selle pour démocratiser le vélo, ce bel objet de conquête, finalement, comme l'a dit Sébastien, d'espace, de temps, de liberté, hein, pour les élèves, pour les enfants, pour la jeunesse. Notre prochaine soirée de l'éducation physique et sportive sera sur l'Ultimate, elle sera le 6 avril, à 18h30 aussi. L'Ultimate est un sport qui est en train de se développer dans le monde de l'éducation physique et sportive. On aura plusieurs invités pour découvrir cette activité, mais aussi voir quels sont les objets d'enseignement de l'Ultimate. Ce soir, pas de kiosque, parce que on voulait vous encourager à la fois à lire la revue Contre-Pied, que vous pouvez à la fois avoir sur votre sur notre site. On vous partage à nouveau le lien. Merci Sébastien de faire le teasing de la revue. Et puis on vous encourage aussi à lire les livres de Olivier Arlambon, Le coureur et son ombre, dont on a fait référence ce soir, on a parlé. Puis un autre ouvrage aussi qu'on a ici qui s'appelle Le versant féroce de la joie. Voilà, ça fait déjà deux livres que vous pouvez parcourir. Mais vous avez aussi Mes coureurs imaginaires qu'il a publié il y a maintenant 2-3 ans, me semble-t-il. Hein. On l'avait chroniqué, me semble-t-il, dans la revue Contre-Pied. Voilà. Merci encore à toutes et à tous, et bonne soirée, et à bientôt dans les mobilisations qui sont devant nous pour conquérir une retraite qui soit digne et qui puisse aussi nous libérer du temps pour que, lorsqu'on aura fini le travail, on puisse largement profiter pour explorer les routes à vélo. C'est-à-dire quoi, EPS? C'est-à-dire la physique et son métier.